canto mi auroro para mi corazón. Je chante une berceuse pour mon petit cœur. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui pour écouter le timplé. Cette petite guitare, composée comme la plupart de ses cousines d'une caisse, d'un manche, d'une tête, a 5 cordes. Et comme son cousin le ukulélé, ces 5 cordes ne sont pas classées du plus aigu au plus grave. Les 3 premières, oui, mais sur les 2 dernières, on revient dans les plus aigus. Cela permet d'avoir un son qui change encore de notre guitare traditionnelle. Elle fait partie des plus petites guitares, plus petites que le ukulélé. Elle nous vient des îles Canaries, au nord de l'Afrique et à l'ouest de l'Afrique. Elle viendrait de la guitare baroque espagnole, amenée par les Espagnols il y a très longtemps. C'est pourquoi le timplé est utilisé pour les musiques traditionnelles, évidemment, mais aussi pour la musique baroque que l'on peut entendre dans les salles de concert jouées par cet instrument. Monsieur Pajarian tient une boutique d'oiseaux. Il a des oiseaux de toutes les couleurs dans les cages de ses boutiques. Des oiseaux qui chantent si bien que nombreux sont les touristes et les habitants du village qui viennent les écouter. Parmi ceux-ci, il y a petit Nico qui, tous les jours en rentrant de l'école, vient écouter les chants magnifiques des oiseaux de l'oiseleur. De temps en temps, il les accompagne même avec son timplé depuis le trottoir où il est là pour les écouter, pour en profiter. Mais un soir, alors qu'il termine de chanter avec les oiseaux, Nico entend le patron du magasin, Monsieur Pajarian, crier après ses animaux. De tout petits oisillons qui sont à peine nés. Il leur dit, mais vous ne saurez jamais voler, regardez comment vous êtes. Non, vous ne saurez jamais voler, alors je vous dis de rester ici dans cette cage et plutôt d'apprendre à chanter si vous voulez faire quelque chose de votre vie. En entendant cela, petit Nico n'a pas tout compris. D'habitude, Monsieur Pajarian est très souriant, très avenant. Il est toujours là pour s'occuper des clients. Mais le voir se comporter de la sorte envers les oiseaux lui a posé de drôles de questions. Alors le lendemain soir, il est revenu, petit Nico. Il s'est caché dans la boutique. Il a attendu que Monsieur Pajarian ferme le magasin et a écouté. Et le patron du magasin, Monsieur Pajarian, a repris de plus belle envers les oisillons. « Vous ne saurez jamais voler, n'essayez même pas. » Apprenez plutôt à chanter, écoutez ce que chantent les autres oiseaux. Essayez de chanter aussi bien qu'eux, voire mieux. Nico n'était pas d'accord. Alors il a attendu que M. Pajarian aille se coucher.
il est allé voir les oisillons. Il leur a dit, mais si mes oiseaux, vous avez des ailes, vous avez des plumes, vous êtes nés pour voler. Entraînez-vous dans vos cages, tout doucement. Et un jour vous y arriverez. Et petit Nico est rentré chez lui. La nuit suivante, il est revenu. Et de nouveau, il a dit ces paroles réconfortantes aux oiseaux. Entraînez-vous, volez, volez, volez plus haut que vous n'avez jamais volé. Et il a continué comme ça toutes les nuits. Si bien que les oiseaux ont pris confiance en eux. Et ils ont commencé à s'entraîner dans leur cage. Ils volaient toute la nuit en dansant. Mais au petit matin, ils n'en faisaient plus rien, pour ne pas montrer à Monsieur Pajarian qu'ils avaient appris à voler. Non, au petit matin, ils reprenaient leur chant pour les passants. Et en fin d'après-midi, petit Nico venait les accompagner avec son timplet, l'air de rien. Jusqu'à cette fameuse nuit, où Nico s'est dit que les oiseaux étaient prêts. Alors, au beau milieu de la nuit, en plein cœur de la nuit, il a ouvert toutes les cages. Si bien que le lendemain matin, lorsque Monsieur Pajarian est revenu à son magasin, les oiseaux volaient dans tous les sens, et ça chantait à tue-tête, et ça volait, ça dansait, et dès qu'il a ouvert la porte, tous se sont envolés. Ils ont volé tout autour du village. Ils se sont envolés vers les collines, vers les forêts, vers les plages. Monsieur Pajarian a laissé les cages ouvertes, a abandonné sa boutique, et il paraît que lui aussi, il s'est envolé, car on ne l'a plus jamais revu. Ya da ya.